Ça me semble pas mal tout ça. Ça me semble hautement pas mal. Donc, nous disions donc, on a graillé. Voilà, j'ai tué des maisons, maintenant je peux manger. Donc une assiette de sushi finalement, changer d'avis. Hein. Bon appétit. Alors est-ce que là, ce que je réponds a une importance? Du coup, est-ce que ma réponse a une importance? Je compte sur vous. Il n'y a pas de soucis, j'ai le droit de changer d'avis. C'était bon. Bah c'était bon hein, en même temps, les sushis c'est toujours bon. Sauf à la Japan Expo. Et donc là, je vais prendre le digestif, c'est bien ça? Ah merde! Ah merde! Eh sérieux! Sérieux connard! Il n'y a pas de digestif! Ils ont changé les noms! Trad de caca! Bicarbonate? Ils ont changé la trad en effet! Je suis fortement désappointé. Et maintenant, je vais libérer les chiottes du bar, c'est bien ça? De mémoire. Voilà, c'est le magasin. C'est un fait. On est d'accord. Ah oui? Ah oui. Ouais, non, mais tu sais, j'ai pas une route opti, hein. Faut que j'aille dans le magasin de fringues. Hop, allez, on va voir le vieux. Allez, papy! Ah, papy, il faut coudre! Hein, papy, tu vas coudre? Hey, coucou Betzorak. Alors, qu'est-ce que je dois choisir ici déjà, s'il vous plaît? Je compte sur vous, le chat. Non, je suis pas encore allé prendre le préservatif. Douceur. Et là, c'est de la chatoyance. Bah écoute, ça va. Le café commence à passer dans mon sang.
Et chatoyant. Magnifique. C'est l'heure de déboucher les chiottes. Oh yeah. Un parfum sexy. Toujours quelqu'un aux chiottes dans les bars. Hein. Il aurait fallu que j'appelle Tati pour qu'elle vienne nous faire de la chatoyance à ce passage-là. Mais bon, je pense que Tati est en train de bosser. Vous ne connaissez pas Tati et... Donc, on va repasser ici. La robe en soie. C'est l'heure d'aller se changer pour une robe en soie. Merci, Mr. Pouchou. Allez, c'est l'heure d'aller faire salut les musclés. Désolé. Bonjour, créature de l'infini. Allez. Ouais, mais j'ai envie d'aller au Nibi, moi. Je veux aller au Nibi. Il faut d'or. Hop. Pansou est facultatif. Ouais, mais les pansous, c'est bien. Ce n'est plus un préservatif, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aller ici. Alors, normalement, j'ai l'option. Ouais, je vais m'entraîner un peu.
Surtout vérifier que j'ai les bons boutons, quoi. Et voilà! Ouais, mais c'est juste que comme je suis pas sur Play, je peux faire vérifier que c'est les bons contrôles en fait. Oh, quelle violence! Quelle violence! Maintenant, faut aller au Nibi! Je peux y aller comme ça, cache? Ou j'ai un truc à faire pour y aller? Le type devant l'écran. Attends, lui là. Ou lui. Avant. Ah, lui! Merci. À l'écran d'avant. À l'écran d'avant, pas à l'écran devant. Alors, où dois-je aller? Alors, quelle est la chambre que je dois prendre? Je vous attends, j'attends vos réponses. Tellement longtemps. Café, en attendant. Donc... quelle est la chambre à prendre, s'il vous plaît? Pas d'importance. Pique-nique douille. J'ai racheté. Couille. Ouais, celui-là. Allez. Non, pas celui-là. Pas ici. Allez, celle-là.
Ah, d'accord. Attends, fallait que j'aille dans celle-là pour le maquillage. Non, je peux rien faire. Il y a que deux réponses vaches, mine de rien. Pique-nique, touche, vache et couille. Et on va prendre celle-là. Bon, ouais, je vois pas trop ce que j'ai à faire ici, on pourrait aller là. D'accord. Ah, c'est la chambre où il se passe des choses bizarres. Hein. Ça fait tellement longtemps ce jeu. Et oh, full régène. Cette moustache, c'est clair! La moustache du swag! C'est Magnum! Oh, j'ai de la lingerie! C'était Magnum! J'ai l'impression que la trad est très merdique. Freddy Mercury, ouais aussi. Voilà, Yasue Makrié. Yasue Makrié. Ah ah. Oui, enfin en même temps, on le savait que la trad était poivre.
Il se passe des choses étranges ici. Voilà. Bon. Hop. Voilà, on a récupéré Bowo. On a récupéré Bowo. On a sauvé un petit commerce! C'est important de sauver les petits commerces! Il faut sauver les petits commerces. Je sais pas, j'ai pris le maquillage tout en haut. Bah, j'ai demandé du maquillage, quoi. Ah, parce que c'était pas le... Ouais, d'accord, tu me rassures, princesse, merci. Wouh, 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 je tourne, je virevolte. Les robes, ça me fait cet effet-là, j'aime bien être en robe, c'est tellement agréable d'être en robe. Bon, là, je suis en pyjama, mais... pas pareil. Ah, les musiques de jeu. Bah, je peux pas te dire ce que j'ai entendu, j'ai pas fait gaffe. Café. 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 Voilà. C'était l'heure de dire café. Ne pas oublier de ramasser les éthers, ça peut servir. D'accord. Ah, mais toutes les musiques de jeu.
C'est tellement malsain ce truc. Le thème de Kaitsich aussi. Le thème de Red. Ouais, en fait, je me suis pas bouché les oreilles. Ouais, voilà, pareil. Mais c'est la fin du café. Allez. C'est parti. J'espère que le son est synchronisé, sinon ça doit être horrible. Déjà là, ça doit l'être, hein. Mais quel pervers, ce mec. Roulement de tambour. Alors, j'ai pas pu aller écouter, mais... C'est dommage. Y a pas un objet planqué quelque part là-dedans? Ah, si, hein. Oh, bah oui! Ok! À toutes! C'est l'air de couche de niveau 9, ça doit être violent, hein. Hello. J'adore ce passage. Ah ouais, ok. Ouais. Thank you.
Ah, c'est déjà violent quand même, hein. Il y a un peu de chat en même temps. Oh. Désolé, princesse, je pourrais pas regarder. Ah, je suis deg, j'ai envie de regarder, moi, du coup. Ouais, tu me diras quand ça commencera. Wonder Princess. Mais j'aime bien te regarder jouer à Wonder Boy, c'est pas ma faute. Bah, tu me diras quand ça commencera et je mettrai le stream quelque part dans un de mes écrans, histoire de le voir quand même. Même si je pourrais pas l'écouter. Ouais, mais en faudra un troisième pour streamer correctement en fait. Cette musique là aussi je l'adore. Honnêtement, cette musique là aussi je la kiffe grave. Donc n'hésitez pas à aller voir notre princesse tout à l'heure, Wonder Princess, c'est bien. J'aurais dû préparer les matériaux. Ouais, voilà, de toute façon, la plupart des musiques sont bien cool. C'est pas plus efficace ça? Il fait pas très mal, hein. C'est un peu plus mal. Ouais, j'ai bien fait d'attendre. Ça. Ce boss est un peu comme un Moblin. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Sauf qu'il trolle pas à balancer son carreau n'importe comment quand tu passes pour faire un skip. La magie peut rater.
Attends, la magie peut rater. Comment ça, la magie a fait un miss? Contre Taillade! Yatta! Ça m'était jamais arrivé en fait. Un truc, hein. Non, je crois que j'ai jamais vu une magie miss en fait, c'est pour ça. Tortue ninja t'attaque. C'est totalement ça en plus, hein. Faut arrêter de croire que les tortues ninja sont gentilles. J'ai un peu healé tout le monde. Ça me semble pas con. Voilà, mon frigal. Le frigo est vide, c'est une catastrophe. Hop, volé. C'est l'heure de pouvoir voler, ça va être bien. Ce sera mieux quand j'aurai assaut. Voir si les tortues ninja donnent des objets. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça sur Aeris, vu qu'elle est en retrait. Oh mon dieu, ça fait tellement de dégâts. On va refaire une tentative de vol. Alors, c'est l'heure. Voilà. Un jour, il faudrait que je fasse gaffe à si j'arrive à voler des machins. Oh putain! Oh là là, les arts! Ah oui, joli! Joli, princesse, joli. En même temps, il y a des trucs comme ça que t'as pas envie de chercher sur internet, hein. Il va bientôt y avoir du heal. Je sais pas non plus. Voilà, on va faire ça. Thank you.
Je veux le matériel talon de l'ennemi. J'aime les matériels talon de l'ennemi. Donnez-moi des matériels talon de l'ennemi. Alors... on va sauvegarder. Tellement de trucs qui sont magiques. Il y a tellement de trucs dans le jeu qui... Non, c'est pas ça que je veux. Bah, les talons d'ennemis en général, hein. Bêta, mais bêta, j'irai pas le chercher tout de suite, hein. Par contre, eux, ils veulent des trucs. Eux, ils donnent des trucs, je crois. Hop, c'est l'heure du heal. Ah bah ouais, mais bon... pas relou ce combat. On va attendre que les mobs ressortent de leur état de je me planque. J'aime bien cette attaque. J'ai toujours pas fait gaffe parce que j'avais volé un truc. Rien à voler. Voilà, ça te dit rien à voler quand y a rien à voler, tout bêtement. Et on sent que je regarde beaucoup mon écran. Hein. Une super popo. Renard chenapan. J'ai utilisé une tente en cafetière. Ça me semble pas con comme idée. Comme ça, j'aurais ma magie à fond pour l'escalade de la tour. Non, c'est... Ouais, tu descends. Ta tartine de... Tu m'étonnes! Tu m'étonnes. Ah, GG! T'as rien pu voler. Ah, j'ai un de ces bols en vol, moi! Mais je vais faire le plein de stuff, vol. J'ai réussi à piquer un truc. À voler un éther. Ah bah ça c'est cool. Ah c'est vachement cool ça, des éthers. Les éthers c'est la vie. Écran sonore, ça c'est cool. Non, il ne me semble pas avoir vu d'indication sinalienne, princessière.
ne me semble pas avoir vu d'indication princessière sur un truc à voler pour Aerys. Mais je peux ne pas avoir vu, mais je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'en jouant à ce jeu, je volais au final très très peu. Non mais il n'y a pas de problème, princesse. Moi, ça me fait plaisir que tu sois sur mon stream. Ça me fait plaisir que tu sois là, tu sais. Si tu participes, c'est mieux. De savoir que t'es là, ça me fait plaisir. Alors... je vais voler les terres. Voilà. Merde. Alors... refantasma... putain, en plus il... n'a rien pu voler. Ah, il faut attendre qu'il réapparaisse, hein. Main de fantôme, en effet. Un petit peu trop tôt. Effectivement, une main de fantôme. Ah non, ça c'est pour Tifa, la main de fantôme, je suis pute. D'accord. D'accord, main de fantôme, en fait, c'est un truc que je vais sûrement jamais penser à utiliser parce que je ne pense jamais utiliser les objets. Éther, je vais faire le plein d'éther moi dans ce dans cette partie là du jeu. Je vais faire un énorme plein d'éther. Je vais les appeler Jean. Avec des éthers Jean. Ça simplifie le combat quand même de balancer un gros truc de feu dans la gueule des mobs. Il y a un truc par là? Non, bah là c'est la sortie en fait. Un sens d'orientation tellement magnifique. On va faire ça. Puis on va attaquer. Et on va voler parce que les éthers c'est cool. Plus mob, tant pis, j'aurais pas volé des terres. Voilà, des tas de terre.
Des tas de TER. On va arrêter de parler des TER. Oh, un mob. Bon. Toi, tu me sens intéressant. Je vais essayer de voler quelque chose pour toi. Rien pu voler. Je veux voler. N'est-ce pas? C'est une bonne chose. Attends, cafetière, hein. Ah, il y a vol. Il y a vol, air général. C'est combien le temps prévu? 30 et quelques heures, 30-40 heures, on va dire. Sans le mob qui réfléchit à sa stratégie, ouais. Cet adversaire tape au corps à corps. Je vais l'empêcher de lancer des sorts. Ah, c'est réfléchi. Pas totalement correctement, mais c'est réfléchi. Mon dieu, mais c'est de l'apocalypse. Oh, oh, quelqu'un qui ne fait rien d'autre que me voler. Totalement. D'ici ce soir, demain, en fait. J'aurai fini d'ici demain soir, a priori. Et à partir de la semaine prochaine, je reprendrai... voilà, le... Ouais, ça se sent. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ah, pas un truc qui a popé par là? Non, y a pas un truc qui a popé par là. On va sauvegarder. Oh putain, l'antichat, elle est nulle, elle est méchante. Cette blague, elle est nulle, elle est méchante.
Désolé, je m'éclate. Je fais mes muses. Vous attendez pas forcément à de la grande animation tout le long, hein. 30 heures, c'est long à animer. Ma voix ne supportera pas. Là, tu peux voler, vol. Bon, je les reverrai sûrement, donc... Potion, mon dieu, c'est magnifique. Je sens l'utilité de la popo, quoi. Tape-y dans le tas. Bourrine-y la tronche. Ok. Ok, donc vous avez beaucoup d'esquives. Donc vous allez vous faire mais démonter la tronche. À coup de limit break, ouais. Et de magie. Et de magie et limit break. J'espère que les limites, ça peut pas miss, hein. Non, c'est bon. Il a pas aimé. Et maintenant, qui sont par terre? On peut attaquer correctement. Putain. Eh hey, mais sérieux, ils sont immortels ou quoi? Je prends note et... Je vais donc corriger ça tout de suite. Ok. Bon, il est l'heure de healer quand même. On va arrêter ton volcan. Bon courage pour ton stream tout à l'heure, princesse, quand même. Bah, la plupart des trucs de la Shinra sont technologiques en même temps. N'oublie pas de porter quelque chose de violet, princesse. Ah, tu l'as dans l'os, Barrette, hein. Voilà. Écoute, t'es stuffé comme une merde. C'est pas grave. Parce que c'est le Tidor. Comme tu peux le voir dans le stream et en bas. C'est le moment où les trans pleurent leur mort contre les cadavres. Appelle ça comme tu veux. Et donc, dans la mesure... la couleur de ralliement pour cette journée, c'est le violet. Donc tout en bas du stream, tu as des liens qui t'expliquent les choses, qui t'expliquent les stats, qui sont fortement très incomplètes. Au sujet de la transphobie. Alors, il y a sûrement quelque chose à lui voler, à lui. Bon. Ça, ils font mal, les cons. J'ai pas vu s'il y avait un truc à lui voler, du coup. Rien à voler, d'accord, ça va être plus simple. Voilà, ça va aller vite, hein. Voilà, pyramide A. Ok, on le fait. Ouais, il est un peu. Et on va continuer à la magie. Tant qu'il n'y a pas de. Re-Willou. Tant qu'il n'y a pas de limit break, on y va à la magie.
Il aime pas Cloud, hein. Vas-y, vas-y, hein. L'intérêt de la journée, c'est aussi beaucoup de parler de cette journée. Oh putain! Oh relou! Voilà. Alors d'ailleurs, si des personnes concernées veulent en parler ou mon Skype, n'hésitez pas à faire un appel Skype pour en parler, ça ne fera pas de mal. Si les personnes veulent venir prendre la parole là-dessus, contactez-moi par Skype. Je ne me suis pas mis sur le TS parce que voilà, ça fait un peu chier. Attends, je peux bouger? Je peux bouger. Malheureusement, ce n'est pas un stream pour quelque chose de très très fun, hein. A priori, entre le début et la fin de ce stream, deux personnes trans auront été assassinées. Voilà. On pourra régler ça, Willou. On pourra arranger ça, t'en fais pas. Au pire, je te passerai mon Skype via Steam, y a pas de problème. Voilà, c'est. Disons que c'est pour ça que je parle de personnes concernées, de personnes de préférence directement concernées, qui estiment qu'elles ont des. Qu'ils ou elles ont des choses à dire dessus. Effectivement, je ne vais pas donner la parole sur ce sujet à quelqu'un qui n'est pas concerné. Voilà. Semble logique. Alors 6, en gros, c'est pour parler des personnes non trans. Tout bêtement. Et l'opposition. Alors, à savoir que d'ailleurs, dans tout ce qui est lutte contre les discriminations diverses et variées, il y a un point qui est très très important, qui est d'être capable de nommer l'oppresseur. C'est quelque chose qui est assez connu. En gros, il faut être capable. On est capable de commencer à lutter contre une oppression à partir du moment où on est capable de nommer son oppresseur. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le terme cis, quand on parlait de gens normaux, on acceptait son anormalité, entre guillemets, et donc le fait de ne pas être traité comme tout le monde. Alors qu'en nommant l'oppresseur, ça permet justement... C'est inconfortable, hein, d'être nommé par un petit nom comme ça... C'est généralement assez inconfortable et c'est là qu'on peut commencer à lutter. Voilà. Bon, après, là, je vais très vite sur la théorisation du truc, mais en gros, c'est ça. RIP tout le monde! RIP Pabowo!
Rip pas Bobo, mais rip tout le monde. Une petite pensée aux habitants du secteur 7. La plupart, je crois, ont réussi à sortir de là. Je crois que j'ai oublié de faire plein de trucs dans le secteur 7 en plus. C'est très con. Je crois, je sais plus, mais je crois que j'ai peut-être un rip pas beau. On s'en fout, je veux récupérer la matéria qui traîne. Voilà, mais... Disons que après, attention, hein. Je dis pas que toutes les personnes 6 sont des oppresseurs, je dis c'est global, hein. Rip pas beau, non, en fait il n'y a pas de rip pas beau, ouais, désolé, je vous ai enduit d'erreur. Voilà. Voilà, c'est... Et c'est une des mécaniques qui est mise en place pour la lutte contre l'oppression, c'est être capable de nommer l'oppresseur. Voilà, c'est... Disons que, enfin, il y a deux types de comportements transphobes, ceux qui sont totalement... Enfin, transphobes, de comportements oppressants, de manière générale, hein. Ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Parce que beaucoup de ces comportements sont transmis par l'éducation. Et donc ça nous semble naturel jusqu'au moment où quelqu'un vient pointer dessus. On peut pas être 7. Joli Tisha, joli. Ouais, non, mais je sais que c'est, quand on parle en général, justement, c'est assez désagréable à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des efforts, qui se sentent mises dans le groupe oppresseur, alors que c'est vrai que la généralité, c'est... Voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Non, mais il y a une matéria. Veux ma matéria. Coucou Olos, comment ça va? Je veux ma matéria. Bon, ok, j'ai compris, je peux pas aller prendre ma matéria. Pourquoi est-ce qu'il est tout seul, là, l'autre glandu? Bon. Alors, glandu tout seul. Ah, c'est pour ça que je peux pas avoir ma matéria. Parce que je vais récupérer les autres. C'est vrai que moi ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé Matrice. Peut-être que si je le re-regardais maintenant, j'aurais une autre vue dessus. Voilà, donc je disais, je veux ma matéria. Matéria sans tir, c'est pour les dessous de bras. C'est une matéria de dessous de bras, hein. Elle est tellement inutile. Tellement inutile, mais parfaitement indispensable. Je la mets parce que j'aime bien flexer des matérias, mais... La matéria de dessous de bras... n'est pas ma matéria préférée. Rien à voler, bon, moi ça va être rapide.
Ouais, c'est le monstre niche de Cerber. Voilà. Voilà. Il y a plein de trucs à prendre en considération avec Matrix, en effet. Cet ennemi qui marque, mais oui, c'est vrai, je me souvenais de la maison, moi. J'ai oublié pas mal d'ennemis, mais je me souvenais de cette putain de maison. C'est vrai. Ouais, il y a de grandes chances que ça joue dans le message du film. Hein. Mais pareil, dans X-Men, j'ai retrouvé énormément de trucs. Voilà, ça, il m'en faut. Manger, Jean, il m'en faut. Bonjour, veux-tu être mon ami? Non. Bah ça ira. Ça ira, ça me va si tu n'es pas mon ami. Je ne t'en veux pas. Je vais éviter de prendre des trucs à l'armurerie. Il y a de grandes chances, hein. C'est vrai qu'on se... Enfin, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'ai mis très longtemps à mettre le doigt dessus. Alors, je ferai une petite pause, je pense, vers midi pour aller m'occuper du chien. Et remonter une pizza froide afin de manger ma pizza, la fin de ma pizza froide en continuant le stream. Parce que mine de rien, on s'attaque à un gros morceau. Hein. On est bientôt à la moitié de la run, vous imaginez bien que j'ai mis en place une énorme corruption de mémoire. Hein. Pour battre le record du monde, j'ai mis une énorme corruption de mémoire parce que là on en est à la moitié de la run. Hein. Non, je déconne. Ouais, non, mais il y a un gros travail de... Mais en même temps, Willou, je poserai la question différemment. Qui peut assumer être normal? Un gros morceau de pizza, voilà. Le gros morceau de pizza, en effet, il est normal. La norme, c'est de la merde, on est d'accord. Être normal... Voilà, c'est... Je dirais que c'est d'une part assez peu important d'être normal, c'est même quelque chose qui, je pense, va à l'encontre du bonheur d'essayer d'être normal. Accepter et vivre ses singularités, c'est ça qui rapproche du bonheur. Enfin, ça, c'est mon avis. Non, la norme, c'est juste une grille de lecture qu'on a, qu'il faut apprendre à changer, à faire évoluer en fonction des personnes qu'on rencontre. Une espèce de normal, c'est une très bonne insulte. Mais oui, c'est... Ça, je suis assez d'accord, hein. Les normes sont des choses assez oppressantes. Et quelles que soient les normes, hein... Quelles que soient les normes, c'est des choses qui oppressent et malheureusement on est très très on est lourdement confronté aux normes.
Voilà, et... En effet. Ah, ce chat est capable de grandes discussions. Je n'en doutais point et je suis fier de vous. Mais oui, il faut qu'on aille sauver Bowo! C'est comme dans Zelda! On va sauver Bowo! Ce jeu, c'est comme Zelda! Mais ouais, non, mais je comprends très bien, hein, Renard Chenapan. Ouais, mais pour les humains, ça marche pas, les pièces bien identiques. Putain, t'imagines si on était des clones tous identiques. Oh. Rien que l'idée me fait peur, en fait. Un peu plus compliqué que ça en fait. Je suis assez d'accord sur le fait que chacun a sa propre norme, construit sa propre norme, mais la norme qu'on construit l'est par déformation des normes qu'on nous inculque aussi. C'est-à-dire qu'on nous a quand même appris à la base un certain nombre de normes et qu'on apprend à les faire évoluer. Heureusement, d'ailleurs. Allô, allons-y. Allons-y, allons-y. Vas-y, attaque, on va pas s'embêter, y'a rien à voler là-dessus, attaque. Vas-y, attaque. Attends, j'ai acheté des matérias guérison et j'ai acheté du cure et je ne l'utilise pas, mais c'est n'importe quoi. Je n'ai pas stuffé mon cure. Une guérison, c'est pas grave. Ah ouais, non mais en même temps on est dans un sujet où les gens se perdent facilement. Putain, mais c'est con qu'elle gagne sa limite, elle. Il gagne ta limite, Tifa.
Oui, donc je disais équiper les matériaux. Voilà, ce sera mieux si tout le monde peut healer, hein. J'aime quand tout le monde peut healer. Coucou The Seal! Alors, d'ailleurs, on va healer, hein. Il est l'heure de healer. Et on va, au cas où, paralyser cet ennemi. Juste au cas où. Bah écoute, ça va. Grande vérité que malheureusement beaucoup oublient volontairement. Oh bah câlin Koala. Bonne chance pour ton trajet en ville. Et en effet, les sœurs Pouchou, beaucoup de gens ne font pas gaffe ou s'arrêtent la liberté des autres. Puis bonne journée et j'espère à tout à l'heure. Si tu t'ennuies, tu pourras revenir sur ce stream. Alors, j'ai plein de sous, mais je pense qu'il va sûrement falloir que j'en rachète après m'être stuffé. Ah, c'est sûr qu'il n'y a rien ici. Je suis convaincu qu'il y a un truc qui traîne ici, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il y a une saloperie qui traîne ici. Mais bon, qu'importe. Alors là, c'est le... On s'en fout. Là, on s'en fout. Il n'y a pas de problème, je sais pas pourquoi j'étais convaincu qu'il y avait un truc. Bon, couverture, je m'en... Il carre un petit peu la nouille, disons-le honnêtement. Couverture, j'estime que c'est une matériel qui sert quand même relativement peu. Enfin, c'est mon avis personnel sur le truc. Bah écoute, faites, hein, l'intérêt c'est beaucoup de faire connaître le Tidor. Alors, oui. Voilà, c'est l'heure de se stuffer. Peu de ça, je pense. Alors, je vais donc aller soigner tout le monde avant de passer à la suite. Puis aussi faire un petit, une petite sauvegarde. Alors, je vous rassure, je sauvegarde pas tant par peur de mort. Joli Tisha, joli, joli, joli. Donc, bah surtout, elle va être établie différemment, cette différence selon les gens. Alors oui, là j'ai déjà regardé, il n'y a rien. Ah oui, non, je voulais sauvegarder là. Pourquoi est-ce que j'ai oublié que je voulais sauvegarder? Donc oui, je disais, je sauvegarde beaucoup. En cas de plantage du PC, pour ne pas trop avoir à refaire
du jeu parce que putain. Vous imaginez si je dois me retaper tout le jeu parce que ça plante au bout de 30, au bout de 20 heures. Ça va être un peu le suicide interatomique. Je vais aller par là-bas, il me faut combien pour les batteries? Voilà, j'ai de la batterie. Allez, c'est l'heure de hacker l'ascenseur social. Avec cette musique du swag. La définition que tu donnes me paraît pas trop mal. Voilà. Parce que si tu l'attends, il n'arrivera jamais, donc faut le prendre soi-même. Hein. Non, pas là. Alors. Batterie! Je sais pas encore ce que je vais choisir. D'habitude, je prends l'escalier, mais je vais peut-être changer. Ah non, c'est pas par là. Hein. C'est par là. Hein. Voilà. Toujours un mal de chien à me repérer. Ah, ça peut être une idée, c'est vrai, d'aller grappiller de l'XP. Attends, j'ai oublié de prendre un truc. J'ai oublié un coffre, ça ne va pas du tout. Je peux pas, je peux plus retourner. C'est de l'arnaque. Je peux pas. Alors comment je fais pour voir mon chat en stream? Déjà j'ai deux écrans. Et pour l'afficher sur mon ukulélé, j'ai décidé pour l'afficher dans le stream. En fait j'ai un plugin. Ah, je suis content si j'arrive à booster, à pousser des gens, à booster des gens pour faire quelque chose pour le Tidor. Hop, trop tôt.
Voilà. En même temps, le naturel est une construction sociale dans un sens. Hein. Non, c'est un plugin pour OBS. J'utilise un plugin pour le logiciel qui me sert à streamer pour afficher le chat. Ce qui est, ma foi, fort pratique parce que ça me permet d'afficher... Ok, bah bon filage à l'école. Je pense que tu seras de retour avant le Golden Saucer. Hein. Honnêtement, je pense que je serai encore sur le CD1 ce soir. Hein. Il y a de grandes chances. J'ai pas une vitesse délirante. Donc, bah écoutez, je vais y aller en frontal, ça fait de l'XP. Frontal ! Bonjour, je vais te défoncer le crâne. Non, je pense pas tenir le 100% non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voler ici? Calmant. J'ai pas envie de calmant. Ah, bah on va voir la fiche numéro 2 du Turtle Paradise. C'est totalement ça. Allons leur mettre un peu de liberté dans leur tronche. Cette petite gueule avec de la liberté, il va voir. Bon, je suis pas fan des calmants, donc Jeanne, elle va rester là où elle est. Ça marche aussi, ouais. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Voilà la fiche du Turtle Paradise. Back attack!
Grenade! Raté! Ah ouais, on attend l'épisode de South Park carrément. On va pas te voler, on veut acheter. Semble une bonne idée. Et ça aussi. Eh non, mais on est des terroristes, je vais ouvrir le coffre, bordel! Alors, qu'est-ce qu'est le Gamergate? Je suis pas la meilleure personne pour en parler. Donc. C'est l'heure d'aller faire du combat aléatoire, hein. Du shitstorm, ça c'est clair. Remettre les choses dans leur contexte, ça pourrait être une bonne idée, je pense. Alors, c'est l'heure de prendre l'ascenseur. Yippie? Yip? Je vais voir. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Hop. Justement, je suis pas sûr que le journaliste avec qui elle a couché ait écrit un article. Alors, on va dire ceci. Là, je suis pas la meilleure personne pour vous parler du Gamergate. Je n'ai absolument pas suivi l'histoire. J'ai essayé de me tenir en dehors des dramas en général. Alors, faut appuyer au pif, c'est ça? Ah ouais, faut appuyer au pif. J'ai pas spécialement envie de voler Jeanne. Voilà, merci princesse de rétablir la vérité. Oui, c'est très bien résumé, quoi, là. Oh, des grenades.
Alors, ça c'est une bonne nouvelle, Plankton, limite. Parce que je veux qu'elle passe au niveau 2 de limite. Azap. Comme ouais, voilà quoi. Un concentré de conneries, ça résume bien. Putain, toujours pas. Mais il faut quoi pour qu'elle fasse ses limites? Oh, des nouveaux mobs. On va faire un petit peu de guérison, ça me semble pas con. On va voir ce qu'on peut voler sur eux. Qu'est-ce qu'on peut voler? On a rien pu voler. On va refaire une petite guérison. Et alors toi aussi j'ai besoin que tu aies ta limite, donc utilise-la. Voilà. J'ai pas vu si elle a volé quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Mais elle a rien volé. Alors là, en gros, ce que j'ai besoin, c'est que Clop tue des ennemis et que les autres utilisent leurs limites. D'accord, je m'entends trop un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voler? Vas-y, paralyse-le. 9 et rien. Utilise tes limites. Ça non plus, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est le jour d'en parler, hein. Ah, et culbute. Merci, princesse. Et ouais, on en arrive au Tidor. Le jour où on compte nos morts. C'est triste. Étage 59. Ah, bon, on est arrivé. On est arrivé. Je vais faire un petit truc. Ouais, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Ah, mais tout le monde est en fureur en plus, c'est magique! Ah, on va tout redescendre, il y a des objets à récupérer! Totalement, je vais aller loot! Je vais totalement aller loot! Ouais, voilà. À un certain niveau, il n'y a plus vraiment de différence en même temps.
Je veux dire, quand tu subis ça... quand tu subis ça quotidiennement, je peux te garantir que t'as pas vraiment... Tu sens pas la différence entre un second degré mal maîtrisé et un truc transforme conscient, hein. Tu te le prends dans la gueule de la même façon. Donc à un moment, Faltidor c'est aussi là pour justement pour en parler, pour bah, il y a d'autres façons de se marrer qu'en faisant des blagues sur les travelots et les trans. Comme il y a d'autres façons de se marrer qu'en faisant des blagues sur les noirs, les arabes, les étrangers et compagnie. Il y a d'autres façons de se marrer qu'en faisant des blagues sur les femmes. Enfin, il y a d'autres façons de se marrer, justement. L'humour, c'est pas que ça, et fort heureusement. Ouais, mais c'est grave de se dire que... justement, il y a des gens qui se disent que... ce genre de comportement est acceptable. Que se moquer des trans, enfin se moquer des trans ou n'importe quelle minorité peut être acceptable. Voilà. Voilà, c'est un pingouin qui respire par le cul, un jour il s'assoit, il meurt. Ça c'est une blague. Ça c'est drôle. C'est absurde, c'est drôle, j'adore cette blague. Ah ouais, non, mais tu comprends, c'est de l'humour si tu baïonnes l'humour, mais il y a autre chose comme humour. En fait, il y a pas longtemps, j'ai trouvé un test sympa pour savoir si une blague est réelle, et enfin un contenu homophobe, transphobe, raciste, tout ce que tu veux, c'est si tu peux remplacer les protagonistes d'une minorité par des pingouins, des aubergines ou des frigos, c'est que la blague n'est pas drôle. Ou qu'elle est drôle avec les pingouins, les aubergines et les frigos. Voilà. Ça marche. Ouais, faut pas oublier les roues. Ouais, alors là, par exemple, ça marche parce que c'est un jeu de mots. Ah, c'est... Je suis désolé, mais le jeu de mots du cistron pressé me fait horriblement rire. Le cistron me fait rire, le cistron pressé me fait rire. Voilà. Effectivement, là, la blague serait moins drôle avec un arbre. Hein. Serait moins drôle avec une pastèque. Aussi. Bah, c'est pas tant la question de est-ce que l'humour plaît à une minorité, c'est est-ce que l'humour reproduit une oppression que cette minorité subit de la société, tu vois. C'est vraiment ça, c'est... Enfin... Honnêtement, les blagues, entre guillemets, sur les travelots, parce que généralement, on va même pas parler de trans dans les blagues, hein, on parle des blagues sur les travelots, etc. C'est pas tant que l'humour plaît pas, c'est que surtout, cette blague-là, ben, tu la bouffes tous les jours, 20 fois par jour,
Je te garantis que tu te la prends dans la gueule comme une énorme mandale. Hein. C'est une blague qui est douloureuse pour les personnes qui font partie de ces minorités. Non, mais il y a moyen de plaisanter sur ces sujets sans être oppressant. L'humour peut traiter de sujets qui sont liés aux minorités, peut traiter des minorités sans être oppressant. Là, on parle vraiment des blagues qui reproduisent une oppression qui est violente et qui est constante aussi. Mais après, justement, par rapport... Ouais, voilà quoi, là, c'est... Et il y a des humoristes qui arrivent à traiter... qui arrivent à parler des homos, etc., avec un perso homo qui est drôle, sans que l'humour en soi soit oppressant. Mais effectivement, faire de l'humour, faire rire, c'est un métier. Et donc, pour répondre à ta question, Yo, la langue française, pour parler de la langue française uniquement, a plein d'expressions qui sont extrêmement oppressantes, sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, rien que l'expression c'est un truc de gonzesse ou c'est un truc de PD ou fais pas ta gonzesse, tu vois. Moi je trouve que c'est des expressions qui portent à réfléchir. Tu vois. C'est vraiment ça, c'est. Après, c'est quelque chose qui est intégré dans la langue commune, mais c'est aussi à nous tous, hein, à tout le monde, qu'il appartient de. Se réapproprier cette langue commune. Alors, je veux C. Merci. Moment de faire éclair tous. Le fameux t'as pas de couilles. Ouais, voilà. Ça, c'est des trucs. T'en es pas conscient, tu t'en rends pas compte. Mais. Putain, les magies qui ratent. Je suis sur le cul sur les magies qui ratent. Des grenades, ok, je m'en fous un peu des grenades. Voilà, il y a aussi une grosse différence entre papier et taper. C'est tellement... solide. Putain, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça, ils sont en deux phases. J'ai oublié qu'ils étaient en deux phases, ceux-là. Alors, on va y aller avec fer. Hein. Ni de contre-attaque, ni de contre-attaque. Sérieux les gens. Ouais mais enfin, tu sais c'est comme alors je vais prendre un exemple qui me vient de ma chérie. Exemple de blague qui suffirait de pas entendre comme ça, c'est elle, ce qu'elle subit tout le temps, c'est quand elle a une mauvaise poêle, qu'elle est fatiguée, qu'elle a une migraine, que ses collègues lui tapent sur le cul, hein. C'est lui tape sur les nerfs.
Si on entend souvent, c'est un collègue qui va sortir le bon vieux « Mais t'as tes ragnoutes ? T'as tes règles ?» C'est drôle, hein. Il suffit de pas faire attention à cette blague pour qu'elle te touche pas. Sauf que quand cette blague, tu la prends tous les jours, 20 fois par jour, dans la gueule, ben, pas y faire attention, ça devient compliqué. Non, après, je suis désolé, Willou, c'est... le but, c'est pas de faire un versus, de faire toi contre le chat ou quoi. Mais putain, mais... Ah, d'accord, il n'y a qu'un seul extenseur que je peux prendre. C'est sympa. Ok, l'idée, c'est pas de faire toi contre le chat, hein. Je suis déjà au 59. Mais c'est vraiment pas ça l'idée, c'est juste que c'est... Enfin... Voilà. Voilà, aussi. Aussi, parce que c'est... Enfin, dans ces comportements-là, on a aussi, bah... Comme tu dis, il suffit de pas y faire attention, sauf que c'est des blagues, c'est des trucs qu'on entend tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est douloureux. C'est très douloureux. Et merde, raté. Je vais tuer celui-là rapidement. Putain, et sérieux, la magie qui rate. Ouais, mais je veux dire, quand tu vas voir la vidéo, est-ce que t'as un truc qui t'affiche... Est-ce que t'as un truc qui t'affiche, attention, cette vidéo contient des... Enfin, voilà. Faire ça, parce que là, il est bientôt mort, lui. Plancton. Coucou, Re-Genogame. Alors, magie.